j'ai compris. Son angle d'attaque, après avoir attaqué le chef de l'État, après avoir attaqué la justice, maintenant, la méthode, c'est de s'attaquer au président du Sénat et au bureau du Sénat. Le Sénat n'est pas une juridiction, parce que nous vous avons suivi, vous avez mobilisé les médias, vous avez mobilisé le secrétaire général des Nations Unies, vous avez mobilisé tout le monde en disant que le Sénat vous a lavé. Le Sénat n'est pas une juridiction. Si vous voulez vous défendre, allez vous défendre auprès de la justice. Parce que vous dites que vous avez toutes les preuves et que on vous a dit que, en tout cas, il n'y a plus rien à vous reprocher. Mais quand on vous a dit ça, nous, on n'était pas là. Ici est la foi facile. C'est dans un français clair, limpide et simple que j'ai dit qu'il y a deux affaires. L'affaire Bukangalonzo, pour laquelle vous êtes allé à la cour. Nous, ça ne nous préoccupe pas, parce qu'on avait déjà tranché sur ce dossier. Mais le 28 juin, par réquisitoire 16 et 17 du procureur général, il nous a saisi pour un tout nouveau dossier des biens à réaliser, où on vous accusait de justifier le montant de 110 907 681 dollars américains et 27 894 707 euros. Voilà le dossier pour lequel vos immunités ont été levées. Et donc, par parallélisme de forme, dès lors que le dossier est au niveau de la justice, ce que je vous ai dit ici et devant les collègues, c'est de dire, dès que vous nous apportez le document de non-lieu dans ce dossier ici, des biens organisés, pas dans Bukangalonzo, dans ce dossier, automatiquement, vous récupérez vos immunités. Est-ce que c'est si compliqué? Est-ce qu'il faut être juriste pour que nous puissions comprendre ça? Amenez-nous, puisque le procureur, l'AG vous a dit non, en tout cas, il n'y a rien, nous avons retrouvé les preuves. Mais qu'il le fasse par écrit, qu'il vous délivre un document. Donc, je pense, chers collègues, cherchez à vous défendre. Parce que vous dites que vous êtes innocent. On n'est jamais allé au fond de votre dossier. Jusque-là, on est dans les procédures. Si vous voulez être lavé, allez au fond du dossier, vous prouvez votre innocence, et comme ça, vous nous laissez tranquille.